Bonjour à tous. Après une longue absence, je vous reviens pour quelques minutes. En effet, après une lecture attentive de Reliquary, je me suis rendu compte que ce livre ne se laissait pas raconter facilement. Je m'explique. Reliquary est un livre d'artefacts. Ancien ou mythique, moderne ou récent, le livre décrit tous les moyens possibles pour un maître du jeu d'intégrer des objets magiques à ses aventures. Mais comme le monde des ténèbres n'est pas un univers à la Donjon Dragon où les objets magiques tombent du ciel, les auteurs prennent tout leur temps pour expliquer les différents types d'aventures que vous pouvez faire autour des objets magiques. Est-ce que vous voulez faire un monde où vos joueurs vous diront « Wow, l'épée ayant appartenu à Vlad l'Empaleur, j'ai entendu dire que sa lame ne s'émousse pas » ou encore un monde où vos joueurs diront « Mon épée donne un dé de plus à mon total de dés. Si j'utilise mon calibre 12, je vais avoir 2 dés de plus. » Vous comprenez le principe? Les auteurs, bien entendu, proposent toutes les avenues possibles, mais sous-entendent fortement que vos parties de storytelling, surtout pour la gamme de mortels, devraient être sémantiquement significatifs à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'histoire d'un artefact devrait être assez convaincante pour faire dire à vos joueurs qu'il serait intéressant de partir à sa recherche, puisque son utilité pratique et symbolique rejoindrait leur mission. Bon, je sais que ça peut paraître compliqué à l'écoute, mais c'est grosso modo le résumé des 10 premières pages du livre. Et ils sont sérieux, les auteurs de ce livre, à nous raconter comment tout devrait fonctionner. Si on fait abstraction de tout ce sérieux, d'autres auteurs n'ont pas perdu le vrai but de ce livre, c'est de donner des moyens de s'amuser. Une section du livre, écrite par Justin Achilly, propose des idées fort intéressantes pour créer des campagnes orientées vers la recherche d'artefacts. Je vous avouerai même que cette partie de ce livre m'a fait remuer les méninges et un peu plus stopper l'écriture de ma campagne de Donjons Dragon pour partir dans une chasse au trésor dans le monde des ténèbres. Là, vous pouvez aller imaginer tout ce que vous avez vu au cinéma en passant d'Indiana Jones et je sais pas, la momie, tant qu'à faire. Les avenues et les possibilités sont très nombreuses. Eh bien, après bien des explications, on arrive enfin à la substance du livre, les artefacts eux-mêmes. Il y a environ 50 artefacts décrits avec assez de précision et qui sont prêts à être utilisés dans vos campagnes. Il y a des artefacts très sérieux comme le crâne de cristal qui permet de réussir n'importe quelle action mais cause la mort autour du possesseur. Il y a aussi la règle à calculer de Daniel qui permet de réussir tous les calculs inimaginables et se transforme en arme improvisée avec un bonus de plus 2 et une initiative de plus 3. Hein? C'est quelque chose? Bien entendu, je ne ferai pas la description de tous les artefacts, mais je tiens à dire que chacun d'entre eux a le mérite d'avoir été décrit de manière originale. Pour le restant du livre, on a un chapitre sur les mérites, des nouveaux mérites qui tournent autour des objets magiques, et une superbe fin de chapitre sur la création d'objets magiques. Et pas seulement la création d'objets magiques pour vos joueurs, mais contre vos joueurs. Et ça prend la forme des objets maudits. Qu'est-ce que c'est pas merveilleux, les objets maudits? Là, vous allez avoir tout le vademécum nécessaire pour créer tous les objets qui peuvent mettre des bâtons dans les roues de vos joueurs ou les rendre de super-héros, si vous désirez. Reliquary est un livre très intéressant, car il est très 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 générique. Vous allez avoir la chance d'utiliser tous les objets qui est proposé dans ce livre avec toutes les gammes possibles. Hunter the Vigil, Vampire, Werewolf, Mage, des breloques qui donnent des bonus pour lancer des sorts dans Mage, des totems magiques qui permettent aux loups-garous de prendre possession d'un lieu. Vous pouvez inventer n'importe quoi avec ce livre-là, c'est ça qui est intéressant. Et c'est un des avantages, je vous dirais, d'un livre de la sorte sur l'ensemble des autres livres que j'ai pu critiquer pour le moment, de la gamme du monde des ténèbres, et pour la gamme mortelle, bien entendu. Eh bien, c'est un livre que je vous conseille fortement. Cependant, si les objets magiques ne vous intéressent pas, parce que ce qui est proposé, c'est beaucoup une aventure,
beaucoup d'éléments centrés sur l'objet en tant que tel. Vous pourrez, si vous mettez un objet de la sorte dans vos aventures, il va falloir jouer avec tout le bagage qui vient avec, et ce bagage, des fois, est dur à traîner. Vous allez être obligé de faire des pirouettes pour réussir à cadrer un peu votre aventure dans le moule de l'objet magique. C'est un livre qui permet d'être intégré à toutes les gammes possibles. Et c'est le grand avantage sur pas mal tous les autres livres de White Wolf que j'ai critiqué jusqu'à date. C'est un livre très générique. Attendez-vous pas à une illumination quand vous allez lire ça, là. C'est presque aride par moment. On peut sourire pour l'originalité des objets. Mais je tiens à dire que personnellement, j'aurais de la difficulté à l'employer dans mes propres parties. Car les objets magiques qui sont proposés accaparaient beaucoup, beaucoup trop d'espace dans mes parties. C'était ma 19e critique. J'espère que vous avez apprécié. C'était un peu court, oui, je sais, mais que voulez-vous? J'ai parlé d'un livre d'artefacts et on ne peut pas en dire plus qu'il y en a là. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, positives ou négatives, ça me pose aucun problème. Je vous conseille fortement d'aller visiter mon blog, dont l'adresse est apparue tout au long du vidéo en bas de votre écran. Je réponds à tout, sans problème. Eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour la 20e critique.